avec beaucoup de respect et de déférence, vous souhaitez la bienvenue à ce colloque des Musicades, dont le thème est, comme vous le savez certainement, musique, instruments de musique et innovation technologique. Avec votre permission, je voudrais que nous entrions rapidement dans le vif du sujet. Je voudrais inviter à ce micro le vice-gouverneur du district d'Abidjan, M. Mobio, représentant le gouverneur du district d'Abidjan, sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît. Je prends la parole au nom du gouverneur Robert Begré-Mambé, qui a été séduit par la convergence de vues que l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique, des diasporas africaines et lui ont eu sur d'abord le caractère dynamique de la culture et des arts, ensuite sur la culture comme secteur d'activité qui peut contribuer au développement d'un pays, d'un continent, notamment de l'Afrique et de cette diaspora. Au nom du gouverneur Robert Begré-Mambé, je souhaite plein succès au Musicard. Merci pour votre bienveillante attention et que Dieu ramène la paix en Côte d'Ivoire. Après cette intervention, nous allons passer à la seconde allocution et je voudrais inviter le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Kofi Kosonou, Paul-Marie. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de M. Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, pour saluer vos présences distinguées et vous remercier d'avoir accordé du prix et de l'intérêt à l'activité qui nous réunit ce jour. Grande est donc la joie de M. le ministre de la Culture et de la Francophonie de voir l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines initier ce forum où seront menées des réflexions sur la problématique du développement des musiques et des instruments de musique de l'Afrique et des diasporas africaines. C'est donc à juste titre que la culture est porteuse d'espérance et constitue le creuset dans lequel doivent se ressourcer tous les projets de développement et de socialisation d'une nation. Je voudrais enfin terminer mon propos en souhaitant, au nom de M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, plein succès aux travaux du Salon des musiques de la SCAD. Je vous remercie de votre aimable attention. La conférence inaugurale aura pour modérateur le professeur Kouakou Nguessan. Après les allocutions, le commissaire général, maître Dagri Paul, va nous dire exactement ce que c'est, leurs ambitions, leurs objectifs et pourquoi la SCAD a tenu à les organiser. Le Tan Hoi, dans son livre « Culture, créativité et développement » écrit qu'une œuvre est authentique lorsqu'elle émane réellement de l'auteur auquel on l'attribue et que l'authentique s'oppose au faux. Aussi, de la dérive, affirme-t-il, une connotation, celle de la vérité, l'authenticité d'un événement, s'impose parce qu'elle est conforme à la vérité. Il conclut son propos en disant qu'aucune culture n'est pure. Toute culture a fait des emprunts à l'extérieur. Nous pouvons conclure qu'un instrument de musique peut servir de vecteur d'identité culturelle et de facteur d'émergence. Nous devons ovationner encore une fois Maître Paul Dagri de nous avoir instruits. S'agit-il dans la musicologie africaine? Eh bien,
il y a longtemps que les hommes ont commencé à réfléchir sur le monde sonore, observer le monde sonore et à réfléchir à son organisation. Les premiers documents qui nous sont accessibles, les plus anciens, datent de bientôt 5000 ans et ils nous viennent de Chine. Depuis, disons, la fin du Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle. Évidemment, il y a une limite, si vous voulez, à l'utilisation des instruments électroniques. Ces instruments ont tous pour caractéristique d'émettre le son via un haut-parleur. Et le son d'un haut-parleur, ça n'est pas le son d'un instrument conventionnel. Lorsqu'on entend tous les instruments que je vous ai fait entendre là, par exemple, vous avez entendu via le haut-parleur. Vous entendez encore ma voix par le haut-parleur. Or, vous avez bien conscience que entre l'instrument conventionnel et l'instrument dont la voix est restituée par un haut-parleur, il y a une différence de timbre. Je pense que dans le cadre de cette diversité culturelle, il y a place pour une création originale, et c'est le vœu que je formulerai en conclusion, en vous remerciant de votre attention. Conférence du frère Boris Colli dans la communauté du Cœur Moussa à Dakar. Le Cœur Moussa a fait beaucoup pour l'innovation des instruments de musique, notamment la kora. J'aimerais vous présenter la kora de Cœur Moussa, son histoire et son évolution jusqu'à nos jours. Avec toutes les innovations que nous nous sommes lancées. La kora est un instrument à cordes pincées muni d'un résonateur. Sa facture et son timbre, comme son jeu, l'apparentent à la harpe. La kora traditionnelle se compose d'une demi-calabasse recouverte d'une peau de bœuf parcheminée bien tendue. Elle est traversée par une hampe cylindrique entourée d'anneaux de cuir tressés où s'attachent les cordes en nombre variable. Cette kora traditionnelle était en Ijaz depuis fort longtemps chez les Malinkés, les Sossés. Musée ethnographique, archéologique, musée d'histoire, musée de la mémoire du peuple. Et vous dit que le musée vous ouvre grandement ses portes. Vous pouvez toujours vous dire que vous avez un partenaire de taille. Nous voulons marcher ensemble. Je vous remercie. Tombe sur la première édition des Musicades 2014. Je voudrais encore une fois vous dire merci.